Un pays avec un littoral unique, remarquable par ses vastes plages et dunes, baigné par un océan de couleurs intenses, avec de sereins reflets argentés et des nuances de bleu, vert et rouge vif. Dans ce pays avec de profondes racines maritimes, la mer joue un rôle décisif et incontournable dans la société. Son importance se reflète dans des domaines aussi divers que la défense, l'économie, la science, la culture et le sport. Il existe au Portugal une institution unique en son genre, guidée par un engagement tripartite avec la défense nationale, le service public et la recherche et le développement. De genèse et d'âme militaire, l'Institut hydrographique a évolué afin de fournir un service public en ayant approfondi ses compétences dans différents domaines des sciences et des technologies de la mer. La connaissance de l'océan, qui se traduit par l'analyse du passé, par l'accompagnement du présent et par la prévision du futur, constitue la mission ultime de l'Institut hydrographique. La souveraineté du Portugal est étroitement liée à la mer. Conscient de cette réalité, l'Institut hydrographique exécute quotidiennement de nombreuses tâches de nature militaire, en soutenant et en participant aux activités opérationnelles de la marine portugaise. Dans ce cadre, sont incluses les mesures de sécurité dans l'espace maritime, qui se traduisent par un appui aux exercices et aux opérations navales, et le soutien à la recherche et au sauvetage maritime. Mais, l'une des principales contributions de l'Institut hydrographique pour la défense constitue dans la caractérisation environnementale et océanographique, qui a pour but de définir les voies d'accès sûres au port, conditions nécessaires pour garantir un soutien environnemental adéquat aux opérations navales des forces nationales, internationales et alliées. C'est aussi dans la perspective du soutien à la marine, pour sa sécurité en mer et pour une planification convenable des opérations, navales et amphibies, que l'Institut hydrographique développe des modèles opérationnels, des conditions et des paramètres océanographiques, qu'il assure la maintenance des équipements nautiques, tels que la réparation, la compensation des aiguilles magnétiques, le contrôle et la certification des phares de navigation, et effectue des tests aux capacités du gouvernement et de manœuvre des moyens navals de la marine. En complément aux activités que l'Institut hydrographique développe dans le domaine militaire, d'autres se sont développées dans une perspective intégrée de soutien simultané à la société civile et aux forces armées. Parmi ces activités, nous pouvons souligner la formation dispensée par l'École d'hydrographie et d'océanographie, organisme de l'Institut hydrographique dédié à la formation des militaires de la marine et des techniciens civils nécessaires au développement des activités opérationnelles dans leur domaine. Étant la seule école du pays qui donne des cours accrédités par la principale organisation internationale dans ce domaine, l'Organisation hydrographique internationale, l'École d'hydrographie et d'océanographie forment les hydrographes nationaux et ceux originaires de pays africains de langue officielle portugaise ainsi que d'autres pays amis. Ce sont précisément les hydrographes formés par l'Institut qui, au service de la marine, établissent les bases pour une navigation en sécurité à travers l'exécution des prélèvements hydrographiques réalisés en mer, dans les fleuves et les estuaires. Ces prélèvements fournissent des données sur la profondeur des fonds marins et constituent l'information de base pour la construction des diverses cartes nautiques que l'Institut produit, actualise et commercialise. La cartographie nautique, qui recouvre la totalité du territoire national et qui répond aux attentes des secteurs les plus divers de la société,
constitue la principale carte de visite de l'Institut hydrographique en tant qu'autorité cartographique nationale. Cette compétence internationalement reconnue permet à l'Institut de soutenir la production des cartes nautiques des pays amis, ainsi que la mise en place des services hydrographiques au-delà de nos frontières. Pour l'Institut hydrographique, la sécurité de la navigation est une mission. La surveillance de l'agitation maritime au long de toute la côte portugaise, ainsi que les prévisions des marées, calculées sur la base des réseaux marégraphiques du Portugal, de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de Saint-Thomé-et-Prince et de Macao, sont les bases de cet engagement. Mais la sauvegarde de la vie humaine en mer est une responsabilité et un impératif permanent, exigeant l'émission d'alerte ainsi que la disponibilisation d'une source d'information utile 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Ce sont là les racines de l'engagement de service public de l'Institut. La divulgation d'un ensemble vaste et diversifié de données, associé à la commercialisation de cartes et de publications nautiques, constitue un appui indispensable pour que les navigateurs puissent planifier leur route, choisir les ports d'abri les plus adéquats et connaître leur position à chaque moment. Ces données sont également fondamentales à la société civile pour l'exploitation durable des ressources maritimes et fluviales nationales. Le site de l'Institut hydrographique constitue un des canaux privilégiés pour la publication et la disponibilisation de données et d'informations. Celui-ci permet aux visiteurs d'obtenir rapidement et intuitivement un vaste éventail de services, d'informations et de produits qui peuvent être téléchargés. Mais le site n'est pas l'unique fenêtre ouverte à la société. La boutique du navigateur, espace spécialisé dans la vente de divers produits cartographiques et autres publications nautiques, est un moyen de divulgation complémentaire. Dans cette boutique, le navigateur a, à sa disposition, la technologie d'impression de cartes nautiques en temps réel la plus récente. En parallèle, l'Institut hydrographique dispose d'une bibliothèque dont les archives techniques, scientifiques et historiques peuvent être consultées. Cet espace d'une rare beauté dispose d'une vaste collection de cartes et de documents historiques qui témoignent de l'évolution de l'hydrographie nationale et qui constituent, avec le pôle muséologique de l'Institut, une collection historique importante sur les sciences de la mer. La relation entre l'Institut et la société civile ne se résume pas à la divulgation. Engagé dans le soutien au développement durable du littoral, l'Institut offre tout son savoir-faire dans la prestation de services pour l'appui aux projets d'ingénierie côtière et océanique et de la gestion des ressources de la plateforme continentale. La facette de ce service public de l'Institut se traduit encore par le soutien à la défense de l'environnement fluvial et marin, pour lequel il contribue à travers de sa participation constante dans des programmes de contrôle et de coopération avec l'autorité maritime dans l'identification des déversements d'hydrocarbures. Les projets scientifiques développés par l'Institut à partir des sollicitations de la société civile sont nombreux. Ils offrent des opportunités pour accroître les connaissances actuelles des sciences de la mer. Ainsi a surgi, entre autres, le programme cartographie de la plateforme sédimentaire, dont l'étude du fond marin a permis l'édition de cartes de grande valeur pour les communautés riveraines.
Les moyens opérationnels de la marine, associés aux nouvelles technologies et à la qualité scientifique des ressources humaines de l'Institut hydrographique, assurent les compétences nécessaires au développement des projets de recherche multidisciplinaires, propres ou en partenariat, et démontrent les capacités techniques et scientifiques de l'Institut. La troisième et dernière facette d'action de l'Institut hydrographique se traduit dans le développement de la recherche dans le cadre des sciences et technologies de la mer. L'investissement continu de la marine dans le renforcement des capacités de l'Institut, découlant de sa stratégie de double usage, a porté ses fruits. Aujourd'hui, l'Institut hydrographique s'affirme comme un des principaux laboratoires d'État dans le domaine de la recherche maritime. Ainsi, soutenu par des laboratoires modernes de sédimentologie, chimie et de calibrage d'instruments océanographiques, avec des essais accrédités dans le cadre du système de gestion de qualité, les études et projets développés au sein de l'Institut stimulent la communauté scientifique dans des domaines aussi divers que l'océanographie, la géologie, la chimie et l'hydrographie. L'Institut hydrographique est, pour tout cela, une organisation aux mille facettes. L'Institut se situe au couvent d'Estrinj, à Lisbonne, et il s'appuie également sur les installations navales de Hasnial à Seychelles. Il rassemble les capacités d'une unité militaire et les compétences d'un laboratoire d'État afin de mieux servir la nation dans le domaine des sciences et technologies de la mer. Organisme de la marine, l'Institut hydrographique est en permanence en mer, soit en utilisant le moyen naval que la marine met à sa disposition, soit par l'engagement des brigades hydrographiques, soit encore à travers divers équipements techniques qu'il met en œuvre et contrôle. Ce sont ces ressources qui constituent l'unique infrastructure permanente intégrée de surveillance de la mer portugaise. Et c'est à travers elle que l'Institut entretient et gère la plus grande base de données nationales sur l'océan. Ce sont ces ressources humaines, militaires et civiles, techniciens et chercheurs, qui opèrent le navire avec compétence et professionnalisme, en direction d'un port sûr. Le dévouement et l'engagement de cette singulière et exceptionnelle force de travail dans les divers domaines d'action de cet institut constituent les fondations et la force motrice qui pousse à la poursuite du bien commun, assurant ainsi la sécurité de la navigation, le soutien à la défense de la souveraineté du pays et le développement technique et scientifique du Portugal.